C'était un match finalement où on n'a pas su mettre beaucoup de rythme. On avait le sentiment, et c'est ce que j'émettais à la mi-temps, on avait le sentiment que si on avait cette faculté à jouer plus vite vers l'avant, à trouver plus vite nos attaquants, à faire en sorte que les défenseurs adverses puissent courir vers leur gardien, on avait le sentiment qu'on pouvait leur faire mal. Donc on pouvait les déporter assez facilement, et c'est vrai qu'on est tombé sur, sans doute avec l'ouverture du score assez rapide, on est tombé sur un match où il n'y a pas eu beaucoup de rythme. On avait le sentiment que finalement on a marqué à chaque fois qu'on accélérait, à chaque fois qu'on avait des temps forts. Donc on va dire qu'aujourd'hui on a été une espèce de force tranquille, on va l'appeler comme ça, parce que finalement on a toujours été aussi sérieux que d'habitude d'un point de vue défensif comme en championnat. Sur l'après du deuxième but, on a été moindre par rapport à 2-3 placements. Mais voilà, on va dire quand même, on va pas faire la fine bouche, on va dire quand même que c'est un match qu'on a plutôt bien géré. Quoi. Enfin, on s'est pas fait de frayeur, on a marqué 4 buts, on s'est créé une situation. Après, à l'intérieur du jeu, bien évidemment, je trouve qu'il a manqué du rythme, mais encore une nouvelle fois, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, même au national, qui aimeraient gagner 3 buts d'écart contre une CFA. Donc voilà, c'est notre troisième finale de suite. Là encore, c'est une vraie régularité. Après, c'est à nous d'être compétitifs, compétiteurs, d'être intelligents. Le vrai gros problème par rapport au 32e, c'est la gestion de la trêve. Le plus dur en 1-2-1, on est mieux rentré en deuxième mi-temps où on a poussé, où on a commencé à faire douter cette équipe de Carquefou. Après, malheureusement, on prend un troisième but qui nous fait mal. Donc après, ça devenait compliqué et ça s'est fait là des petits détails. On se pénalise un peu tout seul. Maintenant, après, sur ce genre de match de Coupe de France, voilà, c'est du 50-50. On ne voit pas trop la différence de niveau. On a vu à plusieurs reprises les équipes entre guillemets inférieures faire la différence même contre des équipes qui évoluent au-dessus. Comme je vous le précisais, en revenant à 2-1, on sentait vraiment qu'on pouvait revenir à 2-2. On a fait douter cette équipe de Carquefou pendant quelques minutes avant de prendre ce troisième but qui nous fait vraiment mal. C'était pas un tirage facile avant coup, parce que très, il y a quand même, c'est une belle équipe avec de bons joueurs. Mais on a été sérieux, on a réussi à marquer dans les moments qui sont déterminants, début de match, début de deuxième mi-temps. Je pense que ça. On a réussi à plier le match de la sorte. Après, le 2-1 nous a peut-être un petit peu. Ça les a remis dedans. On n'est jamais à l'abri d'un coup pied arrêté, d'une autre erreur. Mais après, on est resté fidèle à nous-mêmes et que le 3-1 nous a libérés.